Ah, ça me fait chier si c'est vraiment 2 kills. Il est trop. Enfin, je peux pas jouer contre lui, il est trop fort. Je les match 4 ou 5 fois. Les 4 ou 5 fois, à chaque fois qu'on a duel, j'ai perdu. Il est trop fort sur Yone. Le bucket qui va pouvoir commencer ce midi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas quoi manger ce midi. J'ai pas envie de remanger ce bois. Je commence à m'écœurer. No way, c'est Zuki, il fait un pas trop. Okay. Yo, Tex, zéro calmo. Ouais, c'est dans mon bon mode shop. Max, t'as pas mon chat, s'il te plaît. Juste OPG 100 points horizon. Enfin, vous avez démonté le train, c'est honteux. Grâce à toi. Et let's go! Tex Wisdom pour le gift à LDL. Grâce à ton bro, me chauffe avant que vous n'ayez pas besoin dans le chat, s'il vous plaît. Il est pas répertorié sur LOL Pro ce compte, ok. Mais c'est lui, Exo, tu penses? C'est pas Zuki, le gars. Oh, c'est juste que Grin a dit que c'était Zuki, du coup je. Ah, ça m'aurait vraiment fait chier. Enfin, j'ai énormément de respect pour lui, mais putain, jouer contre lui, bro, je lose toutes mes games. Il est beaucoup trop fort. Je suis même pas en train d'exagérer. Vous dites probablement que ouais, il force ou quoi, mais vraiment, genre le Zuki, il est juste trop fort, no problem. Allez, mange ton midlife. Il est pas rank 10 du ladder pour rien avec un perso qui n'a rien à faire en top lane, tu vois. Ah, lui, c'est un fou furieux par contre. Hein. De rien pour ses dodge 2. Hein. Oh, quelle erreur. C'est bien qu'il focus un peu sur la wave au lieu de permapoke alors qu'on est contre une Lux. Tape le petit. Il est trop mauvais le Rakan. Il est vraiment abject. Et c'est pas pour rien qu'on a gagné contre lui, hein. Il est vraiment bad. Yo, thanks Nixva. Putain, fibre optique, c'est Nixva, thanks pour les subs. Un grand merci à vous, Matchon. Mec, vous avez pas répondu dans le chat, s'il vous plaît. Contre Aphelios, tu joues comment? Tu joues pas. T'attends des gants qui essaient de scale et d'être élevé dans la teamfight plus tard. Il est absolument immonde le Rakan. Il est extrêmement mauvais. Permaforcing alors qu'il peut pas se le permettre en early. Ruine la position de l'ADC. Juste attendre. Enfin, vous êtes des fous furieux. Vous avez fait un train d'élite niveau 5, j'en reviens pas. Je vais ping derrière moi, je sens qu'on va pas jouer de la botlane de toute façon. Nice, j'ai les deux. Niveau 6, non, ça existe pas. Ça complète juste le train en fait. Mais mec, mes mouvements par contre. Ah, mais let's go, Tex. En plus, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y a plein de nouveaux subs. Un grand merci à tous. Ok, c'est pas grave. Un grand merci à toi, mon gros match club. Max, tu devais perdre pendant notre chat, s'il te plaît. Tu peux tryhard les pourcents. Ouais, enfin bon, on a déjà atteint. On a déjà un train de niveau 5. T'inquiète que si c'est juste pour tryhard, c'est déjà fait. C'est un forcé. Hein. Je suis pas mort normalement. Ok, no flash. Yo, let's go! Thanks Wisdom pour le gift à votre trio. C'est un bon moment. Je suis un mec que vous avez perdu dans le chat, s'il vous plaît. Je vais faire que des épées longues, ils ont plus de flashbots.
Je pense que cette game est lose. Tellement de c'est bon, on va plus la ligne clé, ça m'est bien. C'est, et un autre truc qui m'est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite hype de sub, t'as Mister Coffee, il parle pas souvent dans le chat, mais il met toujours sa petite dose de subs, sa petite contribution pour dire « Oh, moi aussi je suis là !» Ça m'est bien. Oh, de là. Mais tu vois, dans un match-up comme ça, c'est pas normal que Kaomo soit en 2-0, tu vois. Surtout si je jouais tel tempo. Lui que c'est mid. Oh, c'est fun s'il meurt pas. Nice. Yo, thanks on mec pour les deux gifts. Bah GG pour le train. GG pour ce sling. Yo, thanks. Putain, j'ai pas le temps de tout lire. Je vais aller top du coup. Thanks on mec pour le gift à Tazzle et Tron Divin. Oh, c'est dans mon gros matchup. Ça fait extrêmement plaisir. Et les 5 gifts de Grey, il y a Pickles, Scaryu, Kentik, Urot et Polkanou. Vous êtes des monstres en vrai. 200 Z20, c'est absolument honteux. GG pour ce train du scan. Niveau 4. Mais j'ai commencé à marquer les pseudos de certains supports et en fonction de si on les voit de manière récurrente et qu'ils font toujours les mêmes performances, on va juste les laisser int les phases de lane. Parce que c'est pas intéressant de suicider notre early juste parce que Augustin a envie de se fight en face de lane pour montrer que la sienne est plus grosse, quoi. Ça m'intéresse pas, genre. Yo! Thanks. Attends. Pickles encore qui a gift là? Enfin, c'est honteux. Thanks pour les 3 gifts, bon. Osurion, Kendrick Amar et du coup, j'ai pu. Ça a pas écrit le 3ème. Ah, bon, ça tombe, bro. It smells like home here. Enfin, c'est absolument honteux. Non mais stop par contre là. Non, c'est too much. No troll. Attends, objectivement fou furieux là. Text Drake pour les 7 subs. J'irai les subs après. Oh là, loupé. Ouais, elle a loupé son combo. Si elle avait pas loupé son combo, elle aurait pu redash et se mettre devant. Il meurt pas. Mais tout le temps qu'il passe en top lane, il est juste en train de me lécher mon niveau 6 en fait. Hein. Je viens seulement de passer niveau 6, c'est honteux. Ah, tu m'excuseras, j'ai pas travaillé ces plaques et brûlé le flash et l'ulti de Yone pour que tu viennes les ramasser à ma place. Dommage, on va vous tuer. Hein.
bien joué. Et ils meurent tous là, non? Oh, ouais. C'est lequel est sur le luxe, c'est Johnson. Alors, Quiver. Quiver, et avec ça, on aura les boots T2, c'est big. Je sais pas ce que fait le Gnar. Hop. Ton top. Ah, cette game veut absolument rien dire. Cette game veut absolument rien dire. L'Hurricane là. Ah, je suis. Persuadé à 2000% que le Huracan a absolument solo lose la game. Si la game n'est pas encore lose, c'est grâce au Gnar. Il est pas dans le bush, c'est bien. Est-ce qu'il y a moyen qu'il stack la tornade sans être sur la lane? Je crois pas. Hein. Nice. On va quitter une plaque, c'est big. On va aller faire les golems. Ok, let's go! Yo! Got Subway! Thanks pour les 5 balles, bro! Subway fast! Le menu coûte un peu plus que 5 balles, mais. Avec tous les subs que j'ai eu, ça devrait le faire. Mais. Je sais pas si j'ai envie de manger Subway ce midi. On va lui laisser le raid parce que je trouve qu'il est pas spécialement bien dans sa game avec sa Diana. J'aimerais bien qu'il ait un lead et qu'il one shot la backline en fait. Parce que là en vrai la game c'est pas moi qui la carry, hein, c'est certain. J'hésite même à faire un shieldbow, hein, à vrai dire. On verra. Ça se trouve on récupère un kill à un moment et ça va nous mettre bien, qui sait. Ok, on va aller faire scuttle. J'ai pas envie de me mettre en commit et que Nunu me punisse. Nice. Nice. Je lui dis n'ayant un scuttle. Just for you. T'es un gamin. C'est gentil, bro, thanks. C'est le mieux. Allez, on va cette. Pour les 10 balles, moi. Et bah voilà. GG Diana. Là maintenant, il sera capable de. Il a sa proto. Quand il aura. Je sais pas s'il va faire Zonia ou dans le Nashor là, mais. Quand il aura deux items, il pourra en V9 la game. Je sais pas si le Yon est mort, ok. Nous, notre taf là, c'est de farm le. Le notre mythique. C'est pas spécialement bien dans le game, putain, je vais y arriver.
On laisse la tour parce qu'on a envie que le canon meure. Voilà, parfait. Ça dénaye un peu plus de CS. 250 gold dans la poche. Nickel. Si on finit la wave sans louper de CS, on devrait avoir de quoi acheter. Hop. Ouais, nickel. En revendant la potion, on a notre mythique. Oh, c'est bien, on est bien revenu. On avait 30, un truc comme ça, CS de retard. On est vraiment bien revenu, c'est cool. Let's go. Ok, nickel. J'aime bien quand y a un code couleur de respecter, sinon ça me stresse. Nice. Aïe. T'es, il a bien anticipé, hein. Je préfère back à l'étape en vrai. C'est plus safe pour moi. Puis qu'est-ce que ça s'en est pour faire 14. Au final, t'es en installation ou tu parles de. Oh, c'est fine. En vrai, 160 minutes, c'est le temps parfait pour avoir le temps de se faire un film. Ouais, Ripiasso. Ah, c'est GG. Ils ont trop de champions. Ils ont pas assez d'utilitaires et trop de champions 1v9. Ah, là-dessus, il carré la game, mais en même temps, c'est. Attends, quoi? Pourquoi ma Kana est en gore drinker et elle est. Attends, quoi? En même temps, c'est une game parfaite pour Diana en fait. Le truc, c'est que s'il était pas bien aussi, ou s'il arrivait pas à percer avec autant de squishy et autant de mêlée et de potentiellement free kill, je pense pas qu'on puisse gagner la game. Tant mieux au final. Hein. Stylé. Un pour un. Oh putain, tu DL FF14 sur de la 4G. Ah ouais. Technologie. T'as enjoy, c'est Yone? Non, c'est mon positionnement surtout. À aucun moment de la game, là, avec le stuff que j'ai, je dois être en position de 1v1 le Yone. C'est normal qu'un dueliste tue un ADC à sa tête de jeu, bro, surtout si l'ADC est derrière, tu vois. C'est complètement délu de blâme Yone. Le fait que je suis prêt à déménager sur un KGB, c'est bien fibré, ouais. C'est exactement ce que j'ai fait, donc je te comprends. J'ai littéralement déménagé dans un 20 mètres carrés juste pour avoir la fibre et être à côté de chez mes parents. En soi, j'étais pas forcé d'être à Paris, tu vois. Et juste pour ce luxe d'être à côté de chez mes parents et d'avoir la fibre, let's go. Non, t'es pas marrant, t'es chiant même, t'es chiant. Non, t'es chiant. Après, je peux pas me plaindre, en soi, Mako est juste légendaire. Mais il est trop fort, par contre. Hein. Le prochain, je le brain pas. Le prochain, je le brain pas. T'as quoi comme offre? L'offre qui me donne internet. Tu sais, l'internet là, avec la vitesse et tout là. Ouais, moi j'ai cette offre là. Vitesse de la connexion. Je crois que j'avais. Bah, tu sais quoi, je vais faire un speed test. Hein, ça m'entend.
Speed test. J'ai 150 gold de shutdown. Yikes. Fais gaffe, certains speed tests montrent l'IP. Ouais, mais de toute façon, vous voyez pas mon écran donc bon. Je suis à 400 en descendant. Et à 400 en montant. En milieu de journée. En week-end. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, mon espacement est out of this world par contre. Enfin, mon espacement est juste out of this world. C'est absolument illégal. Y'a rien à retirer de ce move. Y'a absolument rien à retirer de ce move. J'ai dodge la cage de luxe, le E de luxe, double condamn parfaite, spacing parfait sur l'Yasuo, le repositionnement par rapport au wall, je perds pas le target de focus à cause du flash, je dodge la boule de neige de Lulu, de Nunu. Ah. Gaming. Bah, gaming. Pas de bœuf. J'ai les mains qui tremblent. Tellement j'ai l'adrénaline qui a monté. Enfin, qui redescend plutôt. C'est quand ça redescend du coup, c'est ça? Quand elle monte, t'es full focus, no mistake. Et quand ça redescend, tu trembles. Ça me met très très bien. Moi, je suis pas fan de leur move là. Il meurt. Ah bon. Ah bon. Blues Sunshell ADC. Attends, c'est vrai? Il en est où Blues, notre rôle? GM 600 LP? Et il joue quoi? Il joue Sivir? Attends, mais c'est un fou furieux! Oh non, la Diana en V9 la game. Ah oui.
Ah, j'étais full honneur, ça allait mieux. Bah, let's go.